Ah, il avait raison, MacMahon. Question stratégie, c'était un vrai génie. Ses plans de bataille, incroyables. Oh, bon. Oh, zut. Si ça t'intéresse pas ce que je te raconte, dis-le tout de suite. Excuse-moi, Marc, j'étais sur ma maquette, je t'ai pas entendu. De toute façon, tu m'entends jamais. Il y a des moments, je me demande si tu t'aperçois que j'existe. Bon, Marc, ne commence pas, s'il te plaît. Bon, très bien. Très bien, très bien. Voilà. Voilà. J'arrête. Alors, de quoi tu parlais? De MacMahon. Tu sais, le maréchal d'Empire. Tu connais? Ah oui, c'était un général de Napoléon au départ, c'est ça? Exactement. Eh bien, si vous vous étiez pas tous ligués contre lui, le monde aurait une autre tête aujourd'hui. Vous pouvez être fier de ce que vous avez fait. Marc, je n'ai rien fait, moi. Toi, peut-être. Mais tes ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait, tes ancêtres? Mes ancêtres? Marc, je te signale que j'ai du sang irlandais, français, espagnol, un peu d'indien, alors, tu vois? T'es peut-être un vrai mixeur, mais t'as quand même une culture anglo-saxonne. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié, je suis un sauvage. Donc, excuse-moi, Marc, pour avoir empêché ton empereur de devenir le maître du monde. Passons. De toute façon, c'est du passé. Oui, ok. N'empêche que MacMahon avait une sacrée stratégie. Alors, tu t'intéresses aux stratégies militaires maintenant, toi? Tu sais, moi, j'ai l'esprit ouvert, alors je m'intéresse à tout. Ah oui, j'avais oublié. Et puis, j'ai quand même une bataille à gagner. Alors, tout ce qui me rapproche de la victoire m'intéresse. Une bataille? De quelle bataille tu parles? Ben, avec Magali, évidemment. Attends, Magali, bataille, bataille, Magali. Ah oui. Je me demande comment je peux manquer de sensibilité à ce point, Marc. C'est déjà bien de t'en rendre compte. C'est pour ça qu'il faut que tu m'aides. Que je t'aide? Ben oui. MacMahon avait compris qu'une bataille se gagne sur le champ de bataille. Ah. Il avait une stratégie élaborée, tu comprends? Oui. Un plan de bataille efficace. Marc, qu'est-ce que tu fais? Je disais que MacMahon avait une stratégie d'enfer. Pourquoi tu as raccroché le téléphone? Parce que je suis occupé, je te parle. Mais Marc, j'attends un coup de fil très important d'un client. C'était peut-être lui. Et la stratégie de MacMahon, c'est pas important? Alors, qu'est-ce qu'il avait compris, MacMahon? D'un côté, les hommes. De l'autre, les chevaux. Au milieu, on fait quoi? Des cavaliers. Et avec du bronze, des canons. Tu vois? C'est simple. Marc, pourquoi t'as fait ça? Je viens de te dire que j'attends un coup de fil très important. Mais il te rappellera. Marc, mon client doit me dire quelle photo il a choisi. Il y en a pour à peine 3 minutes. Mais ça tombe bien, moi aussi, pour t'expliquer, j'en ai pour 3 minutes. Marc! C'est pas grave. Je me débrouillerai tout seul, j'ai l'habitude. Je commence à le savoir. Bon, stop! Stop! Non, surtout pas ça. Voilà. La chaise? Merci. Bon, je rappellerai mon client plus tard. T'es sûr? Oui. Tu sais qu'un petit mouvement d'amitié, ça fait toujours plaisir. Alors, où j'en étais? Un MacMahon qui disait que c'est sur le champ de bataille qu'on gagne une bataille. Il avait raison. Et quel rapport avec Magali? Pour gagner une bataille, il faut occuper le champ de bataille. Une fois que t'y es, t'y restes. Ok. Jusque-là, jusque-là, j'ai compris. Mais avec Magali, c'est pareil. Il faut que j'occupe le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Oui, son terrain. Oui. Uh-huh. Alors, tu veux dire chez elle? Mais non, à son boulot. À son boulot. Mm-hmm. Alors, comment tu comptes y faire? Tu connais son patron, t'as qu'à me faire engager. Engager, toi? Oui. Comme quoi? Ce que tu veux. Cadre supérieur, directeur d'agence, responsable départemental, je te laisse le choix. Je te remercie. Je t'en prie. Essaie de trouver un poste où elle soit sous mes ordres. Enfin, ça, tu l'avais compris. Bon, tiens, je te laisse travailler. Je vais continuer ma stratégie. Passe des coups de fil. Je préfère quand même directeur d'agence. Ou responsable régional, c'est mieux. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Je travaille. Je dois bien se rendre compte que je dois gagner notre vie. Je peux pas passer tout mon temps à la maison. Salut Gérard. Salut. Ah, mon jolie fille. Mais Fanny n'est pas avec vous? Mais tu sais bien que non, elle est partie chez sa mère. La pauvre, elle se sentait toute seule. Et puis elle avait envie de voir ses petits-enfants.
Ah, ça, je la comprends, tu sais, parce que... Non, mais la solitude, faut pas plaisanter avec ça, c'est grave. On peut tomber malade, ça peut aller très très loin. Bon, Gérard, je te présente une amie de Fanny. Marion, Gérard. Alors, surtout pas Gégé, parce que moi, je déteste ça, même pour les intimes. D'accord, Gérard, promis. Gérard est notre moniteur de gym préféré. Aujourd'hui, il a pas l'air très en forme. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Mais c'est Daniel. À me faire du souci. Ah non, mais du souci. Daniel? Daniel, c'est sa petite chatte. Ah hein? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a, Daniel? La pauvre, elle est malade. Malade? Il me fait une dépression. Ça, je la connais bien, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Elle passe toute cette journée toute seule. Alors forcément, elle s'ennuie. Mais oui. Mais elle en devient neurasthénique, ne rigolez pas. Alors moi, qu'est-ce que je peux faire? Je travaille. C'est comme ça. Mais oui, c'est sûr. Enfin, je parle, mais je vous ai même pas demandé. Comment vous allez? Nous? Superbe. Et désolée pour votre petite chatte. C'est rien, Marion, vous êtes bien gentille. Bon, en tout cas, Marion va passer une semaine avec nous et elle va dormir dans la chambre de Fanny. En plus, elle adore faire de la gym. Ah ça, j'étais ravie de savoir qu'il y avait une salle de sport ici. Hein. Et en plus, comme elle est bien tenue, ça donne vraiment envie. Alors si vous commencez comme ça, toutes les deux, on va vite devenir copines. Ah, bah ça, c'est une excellente nouvelle. Dis donc, Gérard, y a personne aujourd'hui ou quoi? Ah non, Claire, y a personne ici. Mais si tu voyais au fond de la salle... Et qu'est-ce qu'il y a au fond de la salle? Jimmy, le beau Jimmy. Le beau Jimmy? Oui, c'est un nouveau prof de stretching, un Américain. Oh, une découverte de Monsieur Laplace. Puis une découverte qui vaut le déplacement, je vous assure. Et c'est maintenant que tu nous le dis. Allez, fille, j'ai une idée, si on allait voir. D'accord. Tu viens avec nous? Mais non, je peux pas. Je dois trouver une solution pour Daniel. Puis si j'allais là-bas, je crois que je serais perturbée. Bon, bah, tout à l'heure, alors. OK. OK, les filles, en place. Alors, on commence. Allez. Bien. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bien, 1, 2, 3, waouh, Gérard a raison, hein. Il est splendide, 2, ce garçon. C'est vrai, il est pas mal du 4, tout. Et les filles, je sais pas vous, mais moi j'ai une furieuse envie de faire du stretching. Là. C'est une petite merveille, hein. Ouh, le mot est assez fort, vous croyez? Oh oui. Puis alors ce matin, j'ai une chance incroyable. Le premier cours de stretching, j'étais toute seule avec lui. Toute seule? Oh ouais, oh, j'en ai bien profité. Mais vous voulez que je vous le présente? Oh bah... Oh bah faut pas être timide, vous allez voir. Jimmy, Jimmy, mon petit Jimmy, je vais te présenter mes copines, regarde. Salut. Je comprends pas, je te demandais pas la lune quand même. Sois raisonnable. Tu ne connais rien au travail qui se passe dans une agence de mannequins. Et au vu de ton CV, le patron de Magali ne te proposera qu'un boulot de coursier, c'est sûr. Moi, un coursier? Ouais. Mais ça se falsifie, un CV. Tu m'en faisais en béton et le tour était joué. Ah, désolé, Marc. Moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Ouais, tu joues pas à ce jeu-là. Et tu te dis, mon ami, bah bravo. Marc, ça n'a rien à voir avec notre amitié. Traite de parole. Tu veux m'aider, oui ou non? Marc. Essaye de comprendre, au moins. Oui, j'ai très bien compris. Je me débrouillerai sans toi, comme d'habitude. Gérard! Bon, il n'y a personne ici. Gérard! Gérard? Où sont tous passés? Je préfère faire le planton 2 heures, tiens. Prends une serviette tout seul. Ah. Hop! Et Gérard? Je vais faire du sport. Ça me fera oublier les soucis. J'espère que ça t'éclaircira les idées aussi. OK, on recommence, Sophie. Ah! Alors, on reprend le même mouvement. En l'air, voilà. Le doigt. En l'air, hop. Bien. Allez, balancement. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut, Gérard. Ah, salut les garçons. Vous avez vu? Oh, c'est beau à voir. Mais c'est qui ce type? C'est le nouveau prof de stretching. Une découverte de Monsieur Laplace. Ah, ça, on peut dire que Monsieur Laplace, il a le nez pour les découvertes. Jimmy, en une matinée, est devenu la coqueluche de la salle. Il s'appelle Jimmy en plus, mais c'est un nom de petit garçon. Il Magali se dandine comme ça devant lui. Oui, ça fait une petite heure. Mais c'est Jimmy? Bah oui, il vient de te le dire. Boucher ou quoi? Jimmy Brown. C'est Daniel. Hey, how you doing? You're looking great. Pardon, excuse-moi les filles. Continuez, hein, c'est bien.
Yeah, you're really good. Yes. Where you been all this time? De ce que t'as fait, Daniel, c'est totalement inadmissible. Marc, c'est pas de ma faute si j'ai connu Jimmy à l'université et si on était copains. Non, c'est pas de ta faute. C'est jamais de ta faute. T'avais besoin de lui sauter dans les bras, peut-être? Mais Marc, ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu. Tu sais ce que t'as fait, Daniel? T'as introduit le ver dans le fruit. En quoi? En quoi? Tu oses demander en quoi? Non, t'es inconscient ou t'es stupide? Mais je dois être stupide parce que vraiment, je ne comprends pas. Tu comprends pas? T'as pas vu comment Magali le regardait? Franchement, Marc, non, j'ai pas remarqué. Alors, en plus d'être stupide, t'es aveugle. Et ça crève les yeux. Elle le regardait comme un homme qui lui plaisait. T'imagines les dégâts que t'as fait, là? Mais en quoi? En quoi? Mais en l'invitant à boire un verre avec les filles. En lui disant que vous étiez copains à l'université. Voilà. C'était un simple prof de stretching, t'en as fait un homme. Marc, excuse-moi, mais j'ai toujours pas compris. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un prof de stretching, c'est un prof de stretching. Qu'est-ce qu'il fait, le prof? Il bouge. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et le cours est fini, on l'oublie. Mais maintenant que tu l'as fait exister, il est là. C'est terminé. Tout le monde sait que c'est ton copain. Excuse-moi, Marc. J'avais pas pensé aux conséquences dramatiques de mon acte en invitant à boire un pot. Ça m'étonne pas, tu penses jamais à rien. Alors, non seulement maintenant, il occupe le terrain, mais en plus, les filles sont folles de lui. Bon, Marc, tu crois pas que je n'ai rien à voir là-dedans? Et qu'il leur plaît, tout simplement? C'est Jimmy, il a toujours eu beaucoup de succès, hein? Lui, du succès? Hey. Lui, du succès? Tu la regardes dans les yeux? Hein? Tu lui retires son sourire, pub de chewing-gum? Tu jettes un seau d'eau sur son regard de braise? Il n'existe plus, le Jimmy. Tiens, il serait là. Il est où? Il est pas là. Ah bon, tu crois ça, hein? Je crois pas, je suis sûr. Et maintenant, en plus, il occupe le terrain. Mais ça me rend malade! Ça me rend malade! Ok, ok, calme-toi. Bon, écoute, Marc. Je connais bien Jimmy. Et si tu veux, je peux lui demander de ne pas s'approcher de Magali, d'accord? Ah, tu lui demandes rien! Mais alors, rien du tout! Pour me ridiculiser en plus, merci bien. T'inquiète pas. Je vais m'en occuper du prof de stretching. J'ai mon plan. Ton plan? Mais si encore Daniel accepte une copine. Mais jalouse comme elle est, elle acceptera jamais. Tu penses? À chaque fois que je caresse un autre chat, mais oui, elle le sent. Elle me fait la tête toute la soirée. Mais non. Ouais, je te quitte. Gérard, t'es là, ça tombe bien. Ben oui, je suis là, toujours fidèle au poste. C'est bien ce que me reproche Daniel, d'ailleurs. Je peux pas passer tout mon temps à la maison, quand même. T'es venu faire du sport, c'est ça? Faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a, Marc? Faudrait que tu me cèdes ta place. Comment ça, ma place, Marc? Mais tu penses pas? Tu vas comprendre. Dans ma stratégie pour séduire Magali, oui, il faut que j'occupe le terrain. Et le terrain, c'est ici. Ici, à la salle? Ben oui. Magali passe la moitié de sa vie à faire du sport. Je peux pas aller travailler dans son agence. J'ai pas eu le temps d'envoyer un CV à ton patron. Donc, je te demande de me céder ta place. Enfin, Marc, monsieur, la place n'acceptera jamais, de toute façon. T'es pas obligé de le dire à la place pour la place. Bah, tu rigoles, Max. C'est pas le genre de chose qui se fait, tout de même. Mais pourquoi? Mais par respect. Par sens du devoir, puis j'aurai l'impression de le trahir. Non, c'est pas possible. Et ton sens du devoir et ton respect par rapport à Daniel, t'en fais quoi? Daniel? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, Daniel? Tu t'es pas approprié cette petite chatte par pur égoïsme? Tu l'as pas sauvagement arrachée à sa famille sans rien lui demander? À tel point que maintenant, elle a plus que Gérard dans sa vie? Si, c'est un peu vrai, Marc, mais... Gérard, est-ce que tu aimes Daniel? Je veux dire, est-ce que tu l'aimes vraiment? Bah bien sûr, Marc, je l'aime. Alors pourquoi tu la traites avec autant de mépris et de cruauté? Pourquoi tu l'abandonnes au profit de ton travail? Écoute, Marc, faut bien que j'arrête pour lui acheter ses croquettes, tout de même. Même si elle en souffre? Oh. Même si elle devient neurasthénique et mélancolique au point d'en dépérir? Je l'ai vu l'autre jour, courir sur la petite gouttière. Tu sais, la fausse gouttière que tu lui as fait construire en kit. La pauvre, elle était là, toute palote. La peau sur les os. Une horreur. C'est vrai, à ce point, Marc? Moi, elle m'a fondu le cœur. Je suis ignoble, Marc. Je suis ignoble. Oh oui. Oh non. Mais si, je réalise. Tout ce que je fais à Daniel est horrible. Non, tu travailles trop, c'est tout. Mais oui, c'est ça. Je travaille trop. Toi, tu m'as bien compris. Écoute, Marc, on pourrait peut-être s'arranger tous les deux, juste cet après-midi, le temps que Daniel se remette bien. Je dirai rien, monsieur Laplace, je te promets, Marc. Si ça peut te rendre service, si tu veux. Oh, Marc, ça me soulage. Puis tu vas voir, c'est pas très compliqué.
le plus important, c'est le pliage des serviettes. C'est espagnol. Comme ça, c'est pas... Tiens, salut Marc, ça va? Ça va, ça va. Gérard, j'ai fait une petite pause, je reviens dans un moment, ok? Ok, Jimmy, ok. Salut. Ok, il m'énerve avec sa frime, celui-là. Bon, on en était au pliage des serviettes, nous. Donc, tu... Comme ça, ça va plus vite. On va dans la place, mon petit Marc. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre Magali pour être victorieux comme Mac Mahon à Magenta. Voilà, hein, c'est un vélo, on pédale dans ce sens-là et ça marche tout seul. Je reviens. Je reviens. Il se réveille, le sportif, là? Ouais, nous aussi, on n'est pas venu là pour rigoler. Hein. Allez, hop, 1, 2, 1, 2. Allez. Dites. Oui. Monsieur. Oui. Oui. Appelez-moi Marc. D'accord. Moi, c'est Candice. Oh, c'est joli. Dites, Marc, je peux avoir une serviette? Bien sûr, Candice. Voilà. Merci, Marc. Je vous en prie. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Candice. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous appelez, vous sifflez, j'arrive. Il y a déjà une qui est folle de moi. Oh, il avait raison, Mac Mahon. Ce qu'il faut, c'est occuper le terrain. Il va voir de quel bois je me chauffe, le Jimmy. Ça va, c'est pas trop dur? Moi aussi, j'ai toujours adoré le vélo. Je sais pas pourquoi. Mais je rêve, Marc, c'est fou! Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, je remplace Gérard pour l'après-midi. Oh, mais c'est merveilleux! Justement, je viens passer l'après-midi ici! Oui, c'est merveilleux! Non, mais Marc, mais si vous travaillez ici, vous donnez aussi des cours? Bah, bien sûr! Mais des cours de tout? Même de stretching? Évidemment! Oh, mais c'est formidable, Marc! Justement, avec mes amis cet après-midi, on a décidé de s'inscrire au cours de stretching. Ben, je crois qu'il reste même de la place au cours de Jimmy. Ah oui, non, mais Jimmy, c'est bien, mais vous, je suis sûre que ce sera beaucoup mieux. Ah non, Jimmy, il est formidable. Il est la coqueluche de la salle. Oui, mais ma petite coqueluche à moi, c'est vous, Marc. Allez, c'est dit. Cet après-midi, je viens avec mes amis. Quand je vais leur raconter ça, ça fait tellement longtemps que je leur parle de vous. À tout à l'heure, Marc. À tout à l'heure. Marc, on te cherchait. Ah voilà, vous m'avez trouvé? Oui, je voulais te demander une service. Est-ce que tu pouvais assurer le premier cours de stretching à ma place? Tu sais, on ne s'est pas vu depuis longtemps, donc je voulais l'inviter à boire un verre à la maison, tu vois. Bah, pas de problème, bien sûr. Vraiment, Marc? C'est vachement sympa. Merci. Bah, y a pas de quoi. Bon, on y va? Oui, ok. Tout à l'heure, Marc, et merci encore. Tout à l'heure! I'll be there in a sec, Jim. Ok, see you later. Ça marche, la stratégie? Je Mac Mahonise à fond. Ah. Tout à l'heure. Il avait raison, Mac Mahon. Moins on est sur le champ de bataille, plus on a de chances d'avoir la victoire. Alors, continue à pédaler. Je regarde. Je regarde. Un, 2, 3, 4. Très bien, Magali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, voilà, maintenant on peut souffler les filles. Quelqu'un veut un jus d'orange? Avec plaisir, Daniel. Ah oui, volontiers. Moi aussi, s'il vous plaît. Ok. En tout cas, c'est une excellente idée. Vous avez eu de vous faire un petit cours particulier comme ça ici. Ça, c'est vrai, on sent beaucoup plus à l'aise ici, hein, parce qu'en bas... Ah oui, en plus, on pouvait pas travailler du tout. On était trop serrés, tandis qu'ici, c'est... C'est plus familial. N'ayons pas peur de mots. Ici, c'est plus intime. Ah, j'allais le dire. Oui, ça, le fils, c'est grâce à Daniel. C'est lui qui peut me proposer son appartement. Mais c'est normal, Jimmy. Rappelle-toi quand j'étudiais la photo à New York et que tu m'as prêté ton studio pour en faire mon labo photo. Ça alors, quel drôle de souvenir. Il a transformé mon studio en chambre noire. Je pense à la tête des autres filles dans la salle quand elles vont savoir que votre cours est annulé. Non, mais ne vous en faites pas pour ça. Marc le remplace. Marc donne des cours à la salle de Oui, oui, oui. Il remplace Gérard cet après-midi et il paraît qu'il se débrouille pas mal. Moi, je dirais même qu'il occupe parfaitement le terrain. Dites-moi, Jiminy, il y a quelque chose qui me tire le pin. C'est comment ça se fait que, comme ça, tout d'un coup, vous avez décidé de nous donner un cours particulier?
Eh bien, vous savez, les filles, quand on aime comme moi son métier, on a quelquefois envie de le donner dans les meilleures conditions possibles. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Eh bien, je vous avoue la vérité. Donner un cours à plus de 20 filles en même temps, c'est quasiment impossible. Alors là, les filles, Jimmy est un perfectionniste. Dès qu'ils sont qu'ils ne maîtrisent pas un cours... C'est vrai. C'est vrai, je pense qu'on ne peut pas obtenir de bons résultats quand on donne un cours à un nombre restreint des élèves. Surtout quand les élèves sont aussi jolis et doués comme vous, les filles. Oh, Jiminy. Jimmy. Et en plus, il a horreur de la foule, alors. Comme c'est drôle, moi aussi. Au moins ici, j'ai pu contrôler bien votre travail, les filles. Alors, on reprend? D'accord, Jimmy. Allez. Avec plaisir. Ah ben, dis-moi, Jimmy, tu es libre ce soir? Oui, pourquoi? Et vous, les filles? Ah oui, oui, oui. Oui, on est tout à fait libre. Libre comme l'air. Oui. Et si nous allions tous fêter l'arrivée de Marion et nos retrouvailles à Jimmy et à moi dans un petit restaurant? Génial, oui. Ah, d'accord, d'accord, mais attention. Un restaurant, il n'y a pas de foule, OK? OK. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et maintenant, on lance la jambe. 1. Ça va, Marc, comme ça, ma jambe? Oui, ça va très bien, Bellefeuille. On recommence, c'est pas difficile, faut compter jusqu'à 3. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Marc, ça va trop vite, c'est pas ça, le Strichin. Oh, bah oui, mais il est tellement beau. Bon, silence. On recommence l'exercice en silence. Le Strichin, c'est une histoire de filinque, c'est tout. On fait ce qu'on veut. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'elles font, les filles, aussi, alors? Non, écoutez, je vous demande pas de faire comme moi. Alors, si j'éternue, vous allez vous enrhumer. Mais on recommence. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3.